Il est passé où? Il a disparu. Enfant Zohri. Hein? Qu'est-ce que c'est? L'enfant Zohri, c'est un enfant avec des particularités physiques, tu vois, ouais. Et qui est relativement détesté par les petits chétans, les petits djinns maléfiques. Devant, ils sont en train de marcher genre vers leur voiture, mais je cours derrière sa femme. Genre moi, à ce moment-là, je vais en découdre. Pour de vrai, hein, je te dis la vérité, à ce moment-là, je vais en découdre. Je dis, vous êtes des malades, en fait, tu vois. Salam alaikum, Nabil. Tout d'abord, je tenais à te féliciter pour ton reportage sur Marwan Loud et l'artiste. J'ai kiffé ce documentaire, tu es un superbe orateur. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te faire part d'une histoire bien plus grave que celle que tu as traitée récemment. Car dans mon histoire, je peux t'assurer qu'il y a bel et bien de la sorcellerie à haut niveau et avec preuve à l'appui. Pour te la faire courte, j'ai été très amie avec la femme d'un rappeur. Durant des années, j'ai été aveuglée. J'étais en quelque sorte sa confidente et je peux t'assurer que c'est la personne la plus tordue que Dieu ait mise sur ma route. Elle est démoniaque. Elle m'a confié qu'elle et son mari avaient vendu la femme au diable pour la réussite et l'argent. La crème s'est remariée avec une Hollandaise mais a aussitôt divorcé. Demande-lui pourquoi il n'est plus avec sa deuxième épouse. Il s'est embrouillé avec toutes ses équipes. Du jour au lendemain, il a commencé à annuler et refuser des dettes. Elle a tout fait pour lui enlever son succès et le rendre fou. Et a réussi. Le pauvre, il est possédé par un djinn. Il est parti faire des roquias à Dubaï, au Yémen et même à la Mecque. Mais rien à faire. Elle est dangereuse. Je l'ai même vu faire des trucs avec du sang sur ses propres enfants. Si tu savais, Nabil, ce dont j'ai été témoin, je regrette, voilà, j'espère que Dieu me pardonnera. Je t'en supplie, Nabil, il faut que tu fasses une enquête. Mais fais attention à toi, elle peut te faire beaucoup de mal. Elle travaille avec des djinns très puissants. Elle est très amie avec des marabouts et des voyantes. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Esthétique Dubaï, c'est la référence en matière de pose de facettes dentaires. Cette clinique se trouve en plein cœur de Dubaï. Cette clinique est parfaitement francophone et avec une équipe de 12 praticiens talentueux. Vous êtes sûr de recevoir des soins dentaires de premier ordre. Je suis moi-même un client fidèle d'Esthétique Dubaï et j'ai une relation de confiance avec Mousselouna depuis un bon moment déjà. Je peux vous assurer que vous êtes entre de bonnes mains. Parlons maintenant du plus grand atout de la clinique. Contrairement à d'autres méthodes, chez Esthétique Dubaï, vos dents ne sont pas limées en dents de requin pour placer les facettes dentaires. Le processus de pose de facettes est totalement indolore et peu invasif pour vos dents. De plus, les facettes bénéficient d'une garantie de 10 ans, avec une durée de vie estimée entre 15 et 20 ans. C'est un investissement dans un sourire radieux pour de nombreuses années à venir. À l'occasion de l'ouverture de leur deuxième clinique dentaire à Dubaï, ils lancent une offre à couper le souffle. 20 facettes IMAX 3D Premium et un séjour de 8 jours dans un hôtel 4 étoiles à Dubaï, transfert inclus de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel vers la clinique, et le tout pour 5000 euros. Et ça ne s'arrête pas là. Grâce à mon code promo NabilFlix, bénéficiez d'un tarif réduit de 3190 euros. Mais attention, les places sont limitées. Pour finir, Esthétique Dubaï vous offre également la possibilité de gagner de l'argent en recommandant leur service. Pour chaque personne que vous recommandez et qui achète cette offre, vous gagnez 200 euros de commission. Plus vous en recommandez, plus vous gagnez. C'est une opportunité en or pour boucler vos fins de mois. Alors ne perdez plus une seule seconde. Si vous souhaitez profiter de cette opportunité exceptionnelle, je vous laisse le lien en description pour réserver votre place. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série documentaire qui retracera le parcours à la fois dramatique mais aussi fantastique d'un des plus grands rappeurs de l'histoire française. Il y a quelques mois de ça, juste après la diffusion de mon documentaire sur l'artiste et Marwan Loud, j'ai reçu des milliers de mails en provenance du monde entier. Des mails
tous plus fous les uns que les autres. Des personnes persuadées d'avoir été victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de possession. Parmi tous ces mails, celui qui vous a été lu a retenu mon attention. J'ai vraiment été intrigué et durant des mois, j'ai enquêté afin de savoir si le récit qu'on m'a conté était réel. Et ce que je peux vous dire, la famille, c'est qu'à ce jour, c'est l'enquête la plus dingue que j'ai pu entreprendre. Mais juste avant de commencer, pour bien comprendre notre histoire, vous devez savoir qui est le rappeur Lacrime. Alors installez-vous bien confortablement, c'est parti pour une petite biographie. Lacrime est l'un des plus grands rappeurs connus en France. De son vrai nom Karim Zenoud, il naît dans le 20e arrondissement de Paris le 19 avril 1985. Il grandit dans le 13e arrondissement et se retrouve déscolarisé à l'âge de 11 ans, dû à une enfance assez difficile. À 13 ans, il est placé sous le contrôle d'un juge pour enfants et y restera jusqu'à sa majorité. Il passe de foyer en foyer au fur et à mesure que son comportement se dégrade. Il commence à se faire connaître des services de police et enchaîne les condamnations jusqu'en 2001. Date de sa première incarcération, mais pas la dernière, car il retournera en prison à plusieurs reprises. En 2006, il est libéré après 2 ans et demi d'emprisonnement. Quelques temps après, il s'installera à Marseille. Et en 2009, sa carrière musicale commencera. Pour recontextualiser un petit peu, Lacrime commence à rapper en 2005. Mais c'est qu'à partir de l'année 2008 qu'il s'investit pleinement dans sa passion. Il fait donc son apparition dans le rap game en 2009, où on le retrouve sur le projet Arrête You Si Tu Peux de Mysterio, avec qui il a fait connaissance quelques temps auparavant en prison. Ouais, je m'en rappelle bien ou quoi, putain, je suis dégoûté. Lacrime va alors s'inspirer de son vécu, ses galères, ses problèmes avec la justice pour faire son premier projet intitulé Faites entrer Lacrime qui sortira en 2012. L'album est très apprécié par le grand public. Ils en redemandent à tel point que le rappeur sort un deuxième album la même année. Intitulé « Toujours le même », qui remportera également un franc succès. Karim Zenoud devient alors, pour l'ensemble des Français, le rappeur Lacrime. En 2013, Lacrime est de nouveau incarcéré pour une affaire de braquage remontant à 2006, soit 8 ans auparavant. Son incarcération ne l'empêche pas de poursuivre son ascension dans le rap. Bien au contraire, de sa cellule, il enchaînera des featurings avec de grands noms du rap français tels que Jules ou Mysterio. Il publie même un EP de 10 titres intitulé « Né pour mourir » qui se hissera à la 10e place des charts français. C'est à ce moment-là qu'il signe avec le label Def Jam, une filiale d'Universal, une des plus grandes maisons de disques dans le monde. En février 2014, Lacrime est libéré. Quelques mois plus tard, en septembre, il sortira un nouvel album en collaboration avec Def Jam, un album intitulé Corleone, qui, à peine 2 semaines après sa sortie, est déjà disque d'or. Qui revient foutre la merde ? C'est toujours les mêmes ! Tout va pour le mieux pour le rappeur qui continue son chemin sur la route du succès. Jusqu'au 23 mai 2015, où son passé va à nouveau le rattraper. Le rappeur est condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Marseille, car ses empreintes ont été retrouvées sur des Kalachnikov dans un dépôt d'armes des quartiers nord marseillais. D'après Lacrime, ces armes auraient servi pour le clip « Viens, je t'emmène ». Si tu m'écoutes pas, tu restes dans ton petit village, moi, je te ramène des vrais décis, des vrais qui minagent. Le rappeur ne se présente pas à son procès et fuit alors vers l'Espagne, puis le Maroc, avant de rejoindre clandestinement l'Algérie, son pays d'origine. Il restera en cavale pendant près de 8 mois. 8 mois durant lesquels le rappeur va préparer sa mixtape Repro Volume 1. Une fois sa mixtape terminée, le rappeur décide de se rendre au procureur de la République pour purger sa peine. Il a perdu beaucoup de poids, il est fatigué de sa cavale et souhaite être incarcéré. Malgré son incarcération, Repro Volume 1 remporte un succès fulgurant. Près de 25 000 exemplaires écoulés en seulement une semaine. De quoi ravir Def Jam, la maison de disques, et le rappeur qui annonce préparer Repro Volume 2 du fond de sa cellule. Mais l'attente est trop longue pour les fans. Un mouvement prend forme, le mouvement Libérer Lacrime.
vivement encouragée sur les réseaux sociaux, chez différentes personnalités, jusqu'à même être scandée sur différents plateaux télé. Le rappeur est libéré après 1 an et demi d'emprisonnement en novembre 2016. Il peut enfin profiter pleinement de son succès, car Ripro volume 2 et Ripro volume 3 cartonneront autant que le volume 1. Entre 2017 et 2018, le rappeur est à l'apogée de sa carrière. Il sort l'album Force et Honneur, qui sera certifié triple disque de platine, en atteignant le cap des 300 000 ventes. Il sort sa web-série, qui porte le même nom que son album et qui génère des millions de vues sur YouTube. Ils sont avec un mec en malaria. Il bluffe. Il bluffe. Il devient l'égérie de grandes marques telles que Philiplin. Lacrim se met à collaborer avec des rappeurs néerlandais, britanniques, italiens, arabes ou même américains. Sa renommée dépasse désormais les frontières françaises. L'Europe, l'Afrique et plus encore écoutent du Lacrim. Le rappeur a notamment collaboré avec de grandes stars internationales telles que Rick Ross. Dans la Rolls Royce, ma vie s'embellit. J'aime bien Tupac, je suis Machiavelli. 6ix9ine. Watch me do my money dance. Money dance. Get the money do the running man. Montana. Left on the plane, came on a boat, 300 chains, came in her throat. Snoop Dogg, Mucho ou encore Roby. Fin 2018, le rappeur Lacrim se sépare de sa première épouse avec qui il a eu 2 magnifiques enfants. Il s'installe à Dubaï où il ouvrira plus tard un salon de coiffure. Des âmes qui passent par-dessus bord, je continue naviguant sur les eaux, mon corps change selon mes humeurs. Du jour au lendemain, il ne fait plus trop d'apparitions publiques ou télévisuelles. Il ne sort plus trop d'albums, il refuse et annule des dates de show. Son comportement aurait changé avec ses proches et il finit même par divorcer avec sa 2e épouse. Aujourd'hui, il semble que Lacrim aurait quitté Dubaï. On n'entend plus trop parler du rappeur qui, on doit le reconnaître, avait un véritable don pour être constamment au cœur de l'actualité. Musicalement, ça fait un petit moment qu'il ne sort plus d'albums. Et il est beaucoup, beaucoup plus discret quant à sa vie privée. D'après le mail que j'ai reçu, il serait possédé par un djinn et sous l'emprise de plusieurs sortilèges. Jeté par sa première épouse, Nelly, la mère de ses 2 premiers enfants. Nelly, alias Nel Az, est la première épouse du rappeur Lacrim. D'origine autrichienne-belge, la jeune femme fait sa rencontre très jeune, à seulement 17 ans, et en tombe éperdument amoureuse. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte, et à seulement 18 ans, elle donnera naissance à leur premier enfant. Quelques années plus tard, alors qu'elle est âgée de 23 ans, elle donnera naissance à leur 2e enfant. On peut voir sur les réseaux sociaux que Nelly s'est essayée à plusieurs activités. La musique... Comment ça finira là où tout a commencé, ouais. Chemin est resté droit, pas les gens qui sont passés. Le mannequinat ou tout récemment l'acting. En cherchant sur internet, on peut également voir que de août 2017 à septembre 2018, elle était propriétaire à 50% d'un institut de beauté. Hormis les informations que je viens de vous donner, on ne sait pas grand-chose sur l'ex-femme du rappeur. Mais mon assistante m'explique bien connaître une femme qui était très amie avec Nelly et qui a même vécu chez elle il y a tout juste quelques mois de ça. Cette femme, on l'appellera Madame S. Mon assistante me suggère d'organiser une rencontre entre Madame S et moi-même. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voici partis sur le lieu de rendez-vous pour en savoir plus sur cette fameuse Nelly. Alors moi je l'ai connue, bah en fait elle a vu dans quoi je vivais, elle me suivait sur Snap, et elle a vu le caractère que j'avais, et elle aime bien sentir une burette, avoir caractère, taillera un peu, parce que comme elle a beaucoup de problèmes, bah du coup elle avait une sorte de sécurité autour d'elle, elle m'a tournée autour, je sais pas, et c'est comme un membre de la famille, tu vois, c'est le grand frère en fait. Voilà, du jour au lendemain, incroyable, mais vrai. De la mettre sur le dos, sur le sol. Mais je crois qu'il commence à devenir bizarre. Et du coup, elle est venue, elle m'a dit ramasse toutes tes affaires, viens habiter chez moi. Je viens à la maison. Elle a fait la meuf, j'arrive tout de suite. Elle a arrivé de 60. Et je me suis retrouvée à remplir mes affaires et à la mettre dans sa voiture. On avait déjà fini ensemble en fait. En fait, on était partis la rejoindre dans le 60, vers chez elle, à Chantilly. On avait fait un resto tous ensemble. J'ai dit, depuis cette fois-là, je l'ai rencontrée. Ça s'est enchaîné. Elle m'a rappelé un mec. En fait, la première fois qu'elle m'a abordé par la suite,
pour me dire j'étais atteinte, que j'en avais fait de la sorcellerie. En fait, j'étais à Levallois-Perret faire mes séances de laser. Elle m'appelle, elle me dit t'es où? Je lui dis je suis à Levallois-Perret, je sais pas quoi. Elle me dit attends, bouge pas, j'arrive. Demi-heure, elle est là. Ouais. Je monte dans la voiture, elle me dit j'ai une surprise pour toi. Mais je lui dis mais c'est quoi? Elle me dit t'inquiète pas, tu vas être contente. Comprendre. Elle me dit on va vers chez moi. Chez moi. Je vois, dans le Marais, dans le 60. Elle me dit écoute, je sais que t'as fait du sport. Je sais que t'as atteint, t'as fait quelque chose. Quand même, t'as pas, il y a un message. Il lui avait envoyé un message, parce qu'elle lui avait envoyé une photo de moi en amont. Et donc, il lui a dit dans le message, ouais, ces choses qu'elle a, elle va jamais se marier, pas de travail, rien, on lui a fait un truc pour que c'est la main qui lui arrive que plus d'avance à avancer à lui, quoi. Pas de chance. Donc du coup, je me suis dit, bah là, qui, tu vois, qui est la recherche. Donc le mec, il se présente et tout. Il me dit, vas-y, capte un peu tes jambes et tout. Il commence à me faire son truc avec les corps et... En fait, il a dit qu'il n'avait pas de corps, qu'il a mis des trucs en terre, mais ça c'est rien. Ouais, il m'a mis un truc en dessous. Bah, 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 j'étais quand même à couper. Là, en fait, je suis plutôt une dynamite la fiche et tout. Et il me dit, ouais, on t'a fait la sorcellerie. Ah, il m'a dit ça, mais je crois. Et vas-y, ça continue, ça fait chier. Et après, plus les séances passent, j'ai d'autres trucs derrière. Et là, par contre, j'ai eu le truc. Parce qu'ils ont pris du gros sel, il fallait aller dehors pour son barba. Je sais plus ce que j'ai lancé, et là il y a une bille qui est sortie et ça m'a fait aussi. Madame S m'explique avoir rencontré Nelly à un moment de sa vie où tout allait pour le mieux. Elle a un travail et vit dans un pavillon dans le 9-2, où elle vit en colocation avec un ami de longue date, qu'elle considère comme son frère. On l'appellera Monsieur K. Elle m'explique avoir été prise de compassion pour Nelly, qui selon elle rencontre tout un tas de problèmes à ce moment-là de sa vie. Divorce avec son mari, problèmes financiers, fermeture du salon, etc. Pendant un bon moment, Nelly et Madame S entretiennent une relation amicale. Madame S est présente pour Nelly et l'aide à régler pas mal de litiges. Car toujours selon cette dernière, Nelly a énormément de détracteurs et elle se sent en sécurité avec Madame S. Nelly apprécie énormément son soutien et son aide, jusqu'à lui demander, voire la supplier, de venir vivre chez elle. Le problème étant que Madame S s'est engagée auprès de son ami et colocataire Monsieur K. Ils ont un projet ensemble et souhaitent ouvrir une start-up. Madame S décline donc la proposition de Nelly. Mais très peu de temps après que Nelly ait rencontré Monsieur K, ce dernier se serait mis à avoir des comportements très bizarres. Il serait devenu complètement déséquilibré, se serait mis à déféquer sur les murs, à uriner sur les affaires de Madame S, à faire des crises d'hystérie, à tel point que Madame S ne se sente plus en sécurité chez elle. C'est à ce moment-là qu'elle accepte la proposition de Nelly. Elle appelle pour lui faire part de la situation et ni une ni deux, Nelly saute dans sa voiture et vient récupérer Madame S et ses affaires. Quelques jours après, alors que Madame S est chez l'esthéticienne, elle reçoit un coup de fil de Nelly qui lui exprime un besoin urgent de la voir, une urgence absolue. Madame S lui envoie donc sa localisation et Nelly vient aussitôt la récupérer. Elle lui explique avoir une surprise pour elle et lui demande de monter dans la voiture. Toujours d'après Madame S, elles auraient roulé pendant près d'une heure avant de s'arrêter dans un parking vide où un homme les attendait. Nelly explique à Madame S que cet homme est un ami et qu'il a certains dons. Cet homme pourrait défaire et enlever des sorts qu'on aurait sur soi. Il s'avère que Nelly aurait montré une photo de Madame S à son ami et celui-ci aurait affirmé après avoir vu la photo que Madame S serait sous l'emprise de plusieurs sortilèges et envoûtements. Madame S est sceptique, mais décide quand même d'écouter ce que l'homme mystérieux a à lui dire. L'homme mystérieux explique à Madame S qu'elle est bloquée sur plusieurs plans dans sa vie, à savoir le plan familial, professionnel, amoureux, et que ce sont des sorts très puissants. Il lui dit qu'il peut l'aider à conjurer le sort, mais qu'ils vont avoir besoin de plusieurs séances, et que chaque séance coûte 50 euros. Il lui propose d'ailleurs de commencer la première séance immédiatement, là, sur le parking. Madame S accepte, et le mystérieux monsieur lui demande donc de s'asseoir face à lui. Il lui relève légèrement la robe et lui demande d'écarter ses jambes. Il place un récipient entre ses jambes et le remplit d'eau. Puis, il fait chauffer du fer, du plomb, et le verse dans le récipient.
Madame S m'explique qu'à ce moment-là, elle était en panique totale, car le plomb s'est mis à exploser. Pa, 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 pa. Ça pétait dans tous les sens. Quand le plomb a cessé d'exploser, le mystérieux monsieur a plongé sa main dans le récipient et a ressorti le plomb qui formait une étoile de David. Il lui explique que c'est signification de magie juive. Tu es dans la merde, ma pauvre. Tu es sous l'emprise de magie juive. C'est la plus puissante et la plus dure à s'en débarrasser. Je te promets rien, mais je pense qu'après quelques séances avec moi, ça pourrait s'arranger. Et c'est ainsi que le mystérieux monsieur est rendu au domicile de Nelly pour faire des séances de désenvoûtement, plusieurs séances, à Madame S. Lors d'une séance, le mystérieux monsieur aurait demandé à Madame S de jeter du gros sel ou je ne sais quoi dans le jardin. Le sel se serait transformé en quelque chose de vivant. Cette partie n'est pas très claire, c'est un peu confus. Pendant plusieurs semaines, tout se passe super bien entre les deux femmes. Madame S va même jusqu'à vanter les mérites du mystérieux monsieur que Nelly lui a présenté. Ainsi, elle en parle à un ami qu'elle nomme Dragan. Bon, ça va encore, c'est un Dragan le pire. Parce que, il m'appelle, parce qu'on se parle souvent, et je lui dis « Ouais, j'ai ça, bah, m'a dit j'avais ça, et tout, il y a un mec chez toi, chez vous, j'essaye d'aller bien, tu vois, mais après, voilà, je lui dis « Écoute, ça va pas. » Il me dit « Ouais, j'ai besoin, il me dit « Écoute, ma femme, ça va pas, machin. » Et il me dit « Tu peux lui demander, c'est mon téléphone, monsieur, je suis d'elle, Elle t'a dit 2000 euros. Il me dit, ouais, c'est énorme. Il me dit, mais je peux payer en plusieurs fois. Mais ce qui est parfait. Il me dit, ouais, je peux payer en plusieurs fois. Et je lui demande, du coup, parce que j'ai été à côté, je lui dis, ouais, je te demande s'il peut payer en plusieurs fois. Ses yeux, ils ont fait ça tout de suite. Parce que du coup, c'était validé pour elle. Ouais. Et elle me fait, bah ouais. Je lui dis, elle t'a dit, ouais. Je lui dis, franchement, tu me dis merci. Je vais retirer là ce que je peux. Et vas-y, je te ramène. Elle me dit, ouais, tu lui dis qu'il ramène un t-shirt de sa femme. Et ce qu'il faut des bébés. Attends, c'est pas de la rupture, ça, putain. Même depuis le début, déjà, juste les trucs écartent les jambes, déjà, c'est pas de la rupture. Non, mais déjà, dès la première fois où la photo envoyée au mec et elle a quelque chose de ouf, ça, c'est du chef, déjà. Dragan, je lui dis, ok, machin. Il a commencé à venir, il m'a ramené 250 euros. Il m'a ramené le nom de sa meuf. Quand je lui ai donné, elle les a posés sur la commode à l'entrée. Et elle m'a dit, non, tant qu'il n'a pas le reste, je commence rien du tout. Dragan explique à Madame S que lui aussi est persuadé d'avoir été envoûté, car sa femme vient de le quitter et elle est partie avec l'ensemble de ses économies. Elle l'a laissé sur la paille. Il explique traverser la pire période de sa vie et demande à Madame S de le mettre en contact avec le mystérieux monsieur afin de faire revenir la réussite professionnelle, mais surtout la femme de sa vie. Madame S n'y voit pas d'inconvénient. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas le numéro du mystérieux monsieur. C'est Nelly qui le contacte à chaque fois. Madame S demande donc à Nelly, mais celle-ci refuse catégoriquement de lui communiquer. S'il veut faire quelque chose avec mon ami, ça doit passer par moi. Je ne donne pas son numéro. Et s'il veut faire des travaux avec mon ami, ce n'est pas les mêmes tarifs que toi. Je prends ma pièce dessus. Ce sera donc 2500 euros. Madame S n'en revient pas. Elle est déçue et choquée que Nelly veuille profiter de la situation de Dragan pour se faire de l'argent. Elle décide de faire baisser le prix, mais Nelly ne veut rien entendre, puis décide quand même de faire un geste. Finalement, pour faire revenir sa femme et la réussite professionnelle, Dragan devra débourser la somme de 2000 euros. Et, détail très important, il devra également fournir des sous-vêtements ou un t-shirt appartenant à son ex-femme. Madame S rappelle son ami Dragan et lui expose la situation. Dragan accepte toutes les conditions, mais il demande si toutefois il est possible de faire plusieurs versements. Nelly accepte et le jour même, Dragan ira déposer 250 euros en liquide au domicile de Nelly, ainsi que des sous-vêtements appartenant à son ex-femme. Nelly lui explique alors que tant que la somme n'est pas complète, son ami, l'homme mystérieux, ne pourra pas agir. Et c'est à partir de ce moment-là que les tensions vont survenir entre les deux femmes. Madame S, la mauvaise.
Elle ne comprend pas pourquoi Nelly demande les 1750 euros restants pour commencer le désenvoûtement, sachant qu'une séance avec le désenvoûteur coûte 50 euros et que ce dernier a déjà versé 250 euros. De plus, plusieurs personnes dans son entourage commencent à lui mettre la puce à l'oreille quant aux pratiques du mystérieux monsieur. Madame S commence à se poser de sérieuses questions. Et si le mystérieux monsieur était en réalité un sorcier? Un sahar. Une grosse dispute éclate entre les deux femmes et Madame S décide de quitter le domicile de Nelly. Le dernier soir, elle faisait que le soir, elle sortait. Tu sais, j'ai pas prêté attention. En fait, peut-être que je voulais pas prêter attention là où elle est, mais je sais que ce soir-là, peut-être qu'elle est partie en faire un truc. Pourquoi, à ton avis, je suis partie à un moment donné chez elle, je me suis retrouvée chez ça. J'ai été traumatisée. J'avais peur. Tu sais quoi, quand je dormais dans la chambre, je dormais plus. Dès qu'il y avait un truc qui bougeait, j'étais comme ça, là, ça y est, t'as retenu une race. Je voyais des trucs chelous. J'ai la chair de poule qui me traverse tout le corps, qui commence à me... Dès qu'on me parle de cette histoire, non, parce qu'en fait, il y a eu tellement de choses qui sont passées avec cette personne. Plus les jours passent et plus Madame S se sent mal. Elle fait des cauchemars horribles. Jusqu'à ne plus pouvoir dormir, elle entend des voix et pense qu'elle commence à devenir folle. Elle m'a fait quelque chose, j'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Je suis dans le mal total, j'ai plus envie de vivre, je veux mourir en fait, j'ai plus envie de vivre, je peux plus, je supporte plus ma vie en fait. Je supporte plus, j'en ai marre de tout, j'ai pas de chance dans ma vie, j'ai pas de chance, j'ai rien fait dans ma vie pour pas avoir de chance, je comprends pas, wallah, elle a raté, au nom d'Allah, je comprends pas. Quelques temps après, elle retourne au domicile de Nelly pour récupérer ses affaires manquantes. Nelly les avait soigneusement préparées dans des cartons. Déjà, quand je suis partie de chez elle, rien qu'elle remplissait dans ma voiture. Je suis arrivée tant bien que mal à la maison. Et donc, quand je décharge, je vois qu'il me... Tu sais, des vrais vêtements, quoi. Tu sais, les vestes sans droit, 500 balles. Tu sais, des... Comment ça s'appelle? Tout ce qui est cuisine, maison du monde. Je vois tous les traps, ça, il n'y en a plus. Il reste 3 cuillères, elle a mis 3 cuillères dedans. Je l'appelle. Déjà qu'on m'avait déjà volé, il m'est arrivé que des galères. Je l'appelle, je lui dis, Nel, je lui dis, ça va arriver. Je lui dis, mais où sont mes affaires? Elle me dit, t'as tout pris? Je lui dis, non, moi j'ai une sacrée confiance. Je lui dis, elles sont mes affaires. Elle me dit, t'es en train de m'accuser de vol? Et je lui dis, écoute-moi bien, ferme pas, petite grosse gueule de merde, d'accord? J'ai mes affaires, elles sont, je sais très bien qu'ils manquent la moitié de mes affaires. Non, mais tout le temps t'accuses des gens, on t'a toujours volé, machin, de toute façon t'es qu'une folle, t'es malade. Ah, je suis malade. Ah, on m'a volé, je fais que m'inventer des histoires. Tu mérites une balle dans la tête. Et avec ça, c'est parce qu'en fait, elle avait raccroché. Quand je l'ai appelé, elle a raccroché et je lui ai envoyé un audio. Je lui ai dit, en fait, tu mérites une putain de balle dans la tête. Peut-être quelqu'un, peut-être que sur le coup, effectivement, les mots peuvent dépasser les pensées, c'est humain. De retour chez elle, elle s'aperçoit qu'il lui manque énormément d'affaires. Et des kilbas que je vous parlais de la dernière fois. Hakrobé, trois fois. Hein. Même des rideaux, on me les a pris. T'as vu, ça, c'est les rideaux qu'on met sur les côtés, on est d'accord. Il y a les rideaux blancs qui vont au milieu. Hakrobé, même ça, on me les a pris. Des draps. Tous mes draps, on me les a pris. Housse de couette, tête d'oreiller. Tu vois, par exemple, celle-là. Ça, j'avais une housse de couette. D'accord, qui va avec. J'ai retrouvé une tête d'oreiller. Kilba. Bah alors, la crime, il te donne plus à manger? Hein? Ça tape dans les sacs des autres? Sorcière, va! Je vais continuer à t'afficher jusqu'à la fin de mes jours. Wallah, il a adem. Tous les 4 matins, je vais envoyer des ma'ani à ce genre de kilba là. Wallah, il a adem tous les 4 matins. Hein? Ça a mangé du luxe, maintenant ça mange des fourmis et ça permet de taper dans les sacs des autres. Très énervé. Elle appelle Nelly et lui demande de lui restituer immédiatement l'ensemble de ses affaires. Un manteau, des lunettes de soleil, de l'argenterie, une tête d'oreiller. Nelly ne comprend pas. Elle réfute les accusations de Madame S et lui dit qu'elle est folle, qu'elle n'a rien gardé du tout, ce qui met Madame S dans une rage noire. Celle-ci raccroche et lui envoie un audio dans lequel elle lui dit « Toi Nelly, tu mérites une balle dans la tête ». Quelques jours après, Nelly sera violemment agressée par 2 individus à son domicile et laissée pour morte devant ses enfants. Lors de son agression, Nelly et son fils ont tous deux reconnu Madame S, qui a vécu chez eux un petit moment quand même. Dans son soi-disant agression, donc elle a eu seulement 6 jours d'ITT. Ouais. Alors il y a 27 points de suture sur le crâne, soi-disant, la clavicule cassée,
Et soi-disant, moi, j'aurais mis un coup de couteau. Ah ouais, elle dit qu'elle m'a vu, elle me dit que c'est moi qui ai mis un coup de couteau. Que le mec, apparemment, t'a brûlé la semaine, qui m'a mis un coup de couteau dans l'épaule. La clavicule cassée, je sais pas, du coup, c'était pas de l'épaule. Et moi, je suis arrivée, j'ai mis un coup de couteau. Ou je sais pas. Et son fils, il a confirmé ses dires, il a dit, ouais, c'est bien qu'on fasse un père. C'est là. Bien entendu. Nelly a déposé plainte et Madame S a été interpellée et placée en garde à vue. À l'heure où l'on parle, une instruction est en cours. Madame S doit se rendre une fois par semaine à la gendarmerie afin d'attester de sa présence sur le territoire français. Et son passeport lui a été temporairement retiré le temps d'être jugé. Moi, quand je me suis fait arrêter, il y a eu un contrôle assez forcé. Bon, j'avais une fiche de recherche. On m'a tapé, mais je me suis retrouvée avec un hématome, je me suis retrouvée avec des bleus. Quand je suis allée chez les médecins, j'ai eu 3 jours d'ITT sans faire. Comment c'est possible qu'on ait seulement 3 jours de différence avec sa supposée agression qui est... C'est une tentative de meurtre, entre guillemets, quoi. Oui, ce que disent les gens, c'est qu'elle a été laissée pour meurtre. Devant son fils, en fait. Mais même l'avocate, elle a dit qu'il y a plein de zones. Donc bizarre, elle m'a dit en plus que Condé, il a écrit un truc comme quoi que je n'avais pas borné avec mon téléphone tout le mois de décembre. Elle a dit juste ça, c'est juste impossible. Juste ça, c'est juste impossible. Le 17 décembre, j'ai fait mes recherches. Moi, je savais, j'avais rien fait, j'étais pas là-bas. Donc j'ai cherché où j'étais le 17 décembre. Je me suis dit, avec le casier de PCR que j'ai, je me suis dit, vous m'inquiétez pas. Avec la menace que je lui ai faite, ils vont me. Il faut savoir que ce jour-là, j'étais dans le 18e arrondissement, en train de me foncer la gueule, frère, rubodélique. Elle a dit au Condé, ah si, c'était elle, je l'ai vue. Ah non, c'est elle. Et mon fils, il était là, il l'a vu. Mais parle avec ton fils, essaye de savoir ce qui s'est passé le 17 décembre, parce que ton fils, apparemment, il était là. Ton fils, apparemment, il m'a connu. Il a dit, c'est ta passe, c'est ça, parmi tout le temps. Moi, j'étais quand là, j'étais dans le 18e arrondissement, comment je me suis doublée. Je me suis même posé des questions à un moment donné. Ça se trouve, je suis allée, ça se trouve. Ça se trouve, je suis une schizophrène, je me suis même posé des questions, je me suis demandé des questions, bordel de merde. Ça se trouve, j'ai vraiment pris le couteau. T'as vu, quand tu fais des cauchemars, quand tu rêves d'étoiles, des feuilles, là, bizarre. Tu vois qu'il y a des mecs cabinés, et qu'il y a une lumière qui en jaillit, et que toi, t'arrives, t'es comme ça dans ton cauchemar, et tu regardes, et tu te sens, t'as peur. Tu fais que des rêves comme ça. Hein? Bon, là, j'ai pensé à des trucs macabres, la vie, je vais pas mentir. Mais je me suis dit, ça sert à rien, et puis j'ai des gens pour moi qui m'ont. Durant notre entretien, elle pleure beaucoup et nie toute implication dans l'agression de Nelly. Elle m'explique que le soir des faits, elle était dans le 18e arrondissement en train de se bourrer la gueule. Selon elle, beaucoup de choses ne sont pas claires. Car pendant sa garde à vue, le policier chargé de l'interroger lui aurait expliqué que son téléphone n'aurait pas borné depuis plus d'un mois. Ce qui est impossible, selon Madame S, car elle est très active sur les réseaux sociaux. Madame S est persuadée que Nelly a orchestré elle-même son agression afin de lui ruiner sa vie. Mais aussi, afin de soutirer de l'argent à la crime. Elle m'explique que ça ne serait pas la première fois que ça arriverait. Un jour, alors qu'elle vivait encore chez Nelly, des faits similaires se seraient produits. Je vous propose d'écouter par vous-même. Il y a un mec qui est sorti d'un buisson armé, cagoulé, ganté. J'étais dans le jardin. Ce soir-là, ça faisait environ une heure qu'il est en train de m'observer. D'accord ? Le chien avait disparu vers 11h20, 11h30. Elle était, comme je t'ai dit, en train de jouer. Je suis allée la voir et je lui ai dit, Nel, je ne vois pas les chiens, je ne les entends pas, c'est bizarre. Elle me dit, non, t'inquiète pas, il doit être chez la voisine. Je lui dis, tiens, mais c'est bizarre, je ne les entends pas. Je retourne, je reviens la voir une demi-heure après. Nel, les chiens, ils sont pas là, c'est bizarre. Mais non, tranquille. Je repars, elle revient me voir vers minuit, nous, dans mon garde. Et elle vient, elle fait. Ouais, je suis un peu bizarre. Je les entends pas. Elle fait blâner, je les appelais. Berlin, nanana. Elle fait le tour de la maison. Et comme par hasard, directement, quand elle fait le tour de la maison, il y a un mec qui sort. Il la braque et elle me dit « Cours, il y a quelqu'un !» Et je la vois arriver vers moi, elle est en soutien-gorge, elle avait mis un plaid sur elle, même avec le plaid, ça court. Et à un moment donné, je la laisse passer devant moi, qu'elle passe devant moi, en fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. La porte, elle s'ouvre et elle tombe par terre. Hey, Marlette, je croyais qu'il lui avait tiré dessus. Qu'est-ce que je fais avec l'adrénaline? Putain, elle est malaise à côté de moi. Et je la tire, je ferme la porte, je fais le tour de la maison parce qu'elle avait plein de fenêtres sur les portes. Parce que je pensais qu'il allait rentrer dans la baraque. Je fais tout le temps, je ferme toutes les fenêtres. Je me nique la main, je suis en sang. Cinq fois, elle a le téléphone, elle appelle le Condé. Ils arrivent, je vois une équipe de Condé qui est là. Donc les chiens, pas de nouvelles. Le lendemain,
pas appris mon droit. On reçoit un message, elle reçoit un message d'une soi-disant dame qui a une association. Le voisinage aurait appelé parce qu'ils ont retrouvé les deux chiens à moitié rabattes dans la terrasse de cette dame-là. C'est bizarre pour un braquage, hein, pour les deux chiens qui valent 10 000 euros. Bah, pourquoi ils les ont lâchés ? Pourquoi les chiens, ils les auraient pris une heure avant ? Et pourquoi le mec, une heure après, il était encore dans les buissons vu qu'il avait déjà pris les chiens ? Il était où l'intérêt de ce monsieur ? Et par contre, cette gentille dame qui s'appelle Mademoiselle Rivelle, à aucun moment, elle a été traumatisée. J'ai pas vu une personne traumatisée. Son seul but, c'était de savoir comment elle allait apporter cette nouvelle sur Snap. Sans que les gens pensent que c'était du buzz. Il faut savoir qu'une semaine après le braquage, ah oui, il y a un élément important. Il y a une Mégane Sport de matriculée 13 qui est garée le soir devant son pavillon. D'accord ? Il faut savoir que c'est une zone à elle, il n'y a personne, en fait, il n'y a aucun étranger qui peut rentrer comme ça. D'accord ? Ce monsieur était garé là, il avait environ 60 ans. À côté, il y avait une femme brune, cheveux attachés avec un ruban, la trentaine. On avance. La voiture est là, on avance, je vais les voir. Je ne sais même pas où on s'en remet. Je suis sur le temps. Tu vois, je suis pas un mec lambda. Il lève sa tête comme ça. Je lui dis, t'as pas pris dans le cul. Je vais voir un voisin. J'ai en deux secondes, tu changes le. En deux secondes, tu changes pas de verre encore. Je prends la plaque, appelle les condés. Il avait un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur, démarrage au bord et il se casse. J'appelle les condés. Là, il y a une négative. Là. Il y a environ une heure après. Ça, ça ne limite à rien. Il faut savoir que le 17 décembre, moi je suis en garde à vue, je vois que sur le bureau du bébé, il y a de sa photo ensemble, mais derrière sa photo, il y a la voiture. Et je vois le 17 décembre, je me lève, je me dis, mais attendez, cette voiture-là, je la connais. Elle était là un jour après, une semaine après le braquage. Il me regarde, là je vois, il sourit. Et il me dit la plaque d'immatriculation, c'est ça, 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 ça. Je lui dis, je ne la connais pas, la plaque d'immatriculation. Mais je lui dis, cette voiture, elle était là, une semaine après le braquage. Qu'est-ce qu'elle fait là, le jour de son voiture ? Même si Madame S a eu très peur sur le coup, avec du recul, elle en est d'autant plus persuadée car le jour de sa garde à vue, le policier lui aurait montré plusieurs photos de Nelly le soir de son agression. Et sur l'une des photos, Madame S reconnaît la voiture qui était présente après le braquage juste devant le domicile de Nelly. Elle me supplie de l'aider à prouver son innocence. Elle m'explique qu'elle est en train de tout perdre, que depuis qu'elle a rencontré Nelly, sa vie est partie complètement à la dérive. Elle me confie même, sans trop rentrer dans les détails, s'être fait violer à Marseille à cause de Nelly. Pour finir, Madame S me suggère de rentrer en contact avec l'ancienne associée de Nelly, celle qui était détentaire des 50 autres % de l'Institut de Beauté. Nous appellerons cette femme Madame N. Madame N pourrait m'en apprendre davantage sur le personnage Kennelly. Et puis de toute façon, ça ne coûte rien de l'appeler. Aussitôt rentrée, je me mets à la recherche du numéro de Madame N que j'arrive à me procurer sans grande difficulté. Après lui avoir laissé un message et plusieurs appels, cette dernière me recontacte et m'explique ne plus vouloir être affiliée de quelque manière que ce soit à Nelly. Elle me fait parvenir un mail de 15 pages, datant de 2018, qu'elle aurait envoyé à Nelly suite à la rupture de leur association. Je vous propose d'en voir un extrait. Je vais rétablir la vérité dans ce mail car il est hors de question de me faire porter le chapeau sur des rumeurs, qu'on m'accuse de diffamation, de raquette ou d'escroquerie. Tu as pourri notre relation que je pensais sincère. Je t'aimais vraiment pour qui tu étais, mais d'après les révélations que l'on m'a faites la nuit dernière, en fait, je ne te connaissais pas du tout. Mais qui es-tu vraiment, Nelly ? Tu es Satan en personne, je te l'avais dit de vive voix et je te le redis. C'est toi la folle psychopathe qui harcèle tout le monde. Tu te crois invincible parce que ton mari c'est la crime. Tu peux mentir à tes femmes, à toi-même, mais jamais à Dieu, ne l'oublie pas. PS, l'argent rend fou, n'est-ce pas? Si tu veux pas perdre, faut pas jouer. Cordialement. Au vu de ces deux nouveaux témoignages, je vous avoue que je me pose pas mal de questions sur Nelly. Tout à coup, le premier mail que j'ai reçu me semble beaucoup moins fou que ce que je pensais. Et si ce qui m'avait été raconté dans ce mail était en fait réel ? Je suis de plus en plus intrigué, mais anxieux à la fois. En tous les cas,
Il me tarde de rencontrer les personnages principaux de notre histoire pour en savoir plus sur cette histoire digne des plus grands scénarios d'Hollywood. Pas mal de témoignages qui se rejoignent, de personnes qui disent que tu aurais pratiqué des rites un petit peu sataniques. Je l'ai connu, il avait rien. J'ai eu beaucoup de mésententes, beaucoup de problèmes dans notre relation, même par la suite, après notre séparation, tu vois, beaucoup de tromperies. Et après, il y a des histoires plus sombres. Pourquoi est-ce que autant de monde affirme t'avoir vu faire des choses à l'encontre de ton ex-mari ? La première fois que je touche entre guillemets à ce milieu-là, entre guillemets, c'est Karim avec sa mère qui m'emmène voir une voyante. Il avait une arme. Ouais. Donc je reçois des coups, jusqu'à ce que ma tête elle explose. T'as vu, j'ai une big cicatrice là. T'as vu, je perds tellement de sang, la tête ça saigne énormément. Je me dis, je vais mourir, ça y est. Je me réveille, c'est mon fils, il est en train de réciter sur moi. Il pense que je suis morte et tout, il récite du Coran. Ouais, c'est il a quel âge, choquant. Il a 12 ans. Dans son discours à elle, ouais. Cette fille, c'est toi. C'est à cause de toi qu'elle se serait fait violer. Mais quand il le fait partir, le chat était allongé sur un truc, une tête de chauve-souris avec un bâton et avec un papier avec des écritures. Il nous a fait du pont à toutes les deux chez moi. Mais là, elle va pas s'apaiser la situation.